Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala rasulillah. Mesdames et messieurs, que la paix d'Allah soit sur vous, chez vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux qui nous a donné ce mois béni de Ramadan pour nous réformer, nous transformer et bien sûr afin que nous puissions nous rapprocher de lui et nous rapprocher également de sa satisfaction. Béni soit son prophète Mohammed, salawatou rabbi alayhi wa salam. Il est donc parmi ses créatures la meilleure, qu'Allah lui accorde sa paix ainsi que sa miséricorde infinie et que cette miséricorde également abonde sur toutes ses créatures et tous les compagnons du prophète alayhi salatou wa salam. Alors, en ce septième numéro de ce mois béni de Ramadan, mois de grâce spirituelle et de bonheur, nous allons aborder la question de l'autodiscipline pendant ce mois de Ramadan. Quels sont ses fondements et comment mettre en pratique cette autodiscipline. Pour le savoir, restez bien sûr branchés sur la télévision al-Bayan. N'est-ce pas, Safiat Kouyaté? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Abdoul Hakim Odoloé. Et salam alaikum également à tous nos téléspectateurs et internautes. C'est bien cela, en ce 7 Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait la grâce d'être ensemble même ici. Alors aujourd'hui, nous parlerons de l'autodiscipline, un sujet qui nous concerne tous dans notre cheminement personnel, mais également dans notre cheminement spirituel. Et pour parler de cette thématique, nous recevons avec beaucoup de plaisir l'imam Mankan Kouyaté, il est imam principal de la mosquée du lycée moderne d'Abobo. Imam Mankan Kouyaté, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Alain Liftar. Plaisir partagé, oui. Double bonheur pour moi, d'autant plus qu'on partage le même patronyme, imam. Effectivement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En face de l'imam Mankan Kouyaté, nous avons notre reine des échos, Mariam Sidibé, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum aux téléspectateurs. Elle est sublimement habillée, comme merci. Tous les jours d'ailleurs. Oh, ça me touche, ça me rentre là-dedans. Alors d'accord, après l'émission, bien sûr que je reviens, pourquoi pas, au contact de ta styliste. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. À l'occasion de cette émission, allons à l'Iftar. Alors donc, Safiat Kouyaté, on sait qu'on aura beaucoup de choses aujourd'hui à faire découvrir à nos téléspectateurs, comme tous les jours d'ailleurs, jusqu'à la fin de ce mois béni de Ramadan, tout en rappelant que cette émission peut être suivie sur le bouquet Canapus numéro 193 ou sur StarTM numéro 1693 ou également sur nos plateformes digitales et également l'application IP Al-Bayan. Totalement. Et donc, tout juste à l'instant présent, nous partons à la découverte de notre cuisine Allons à l'Iftar avec Natou Fofana et Chef Bafa. On revient tout juste après ce jingle. Natou Fofana, Chef Bafa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, Safiyat. Alors, nous sommes au septième jour du mois béni de Ramadan. Qu'est-ce que vous concoctez en ce moment en cuisine? Alors, aujourd'hui, c'est une recette très facile à faire, très simple. On est dimanche, on va inviter les enfants à la cuisine et on va faire tout simplement des crêpes. Je laisse le soin à Chef Bafa de nous en dire plus, Inch'Allah. Chef Bafa, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, quel genre de crêpes allons-nous cuisiner aujourd'hui? Aujourd'hui, on a des crêpes forestières. Crêpes forestières? Oui, des crêpes forestières. C'est une crêpe salée. D'accord. Et voilà, qui sera composée de viande hachée, de champignons, un peu de riz. Et des légumes également. Des légumes, ça m'a l'air bien bon tout ça. Alors, les ingrédients pour la réalisation de ce plat? Pour la réalisation du plat, on aura besoin de viande hachée, des carottes, d'oignons, tomates, le sel et le poivre, les épices, herbes de province, un peu de thym, ça dépend de vous, pour mettre origan, vous pouvez mettre basilic, ça dépend de vous, voilà. Les épices saison, que voilà, vous aimez. Voilà. Et sans oublier une noix de muscade, ça dépend. Une noix de muscade, voilà. D'accord. Ça dépend de vous. Maintenant, ça, c'est bon. Pour la crêpe, on aura besoin des œufs, la farine, lait. Du lait, la farine. Pour la farce aussi, le pour riz farce, dinor. Le riz, effectivement, du riz dinor. Ainsi que l'huile dinor. Tout à fait. D'accord. Sans oublier qu'on doit faire une petite béchamel pour accompagner. Donc, pour accompagner c'est le c'est tout. Plusieurs étapes. On aura au moins trois étapes à faire comme ça. D'accord. Alors, tout à l'heure, on va détailler toutes ces différentes étapes, ces trois étapes en détail et vous pourrez reproduire le plat chez vous à la maison, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, Safiat, on se retrouve tout à l'heure dans la j'ai deuxième partie. J'ai une question, si tu le permets. Vous me recevez là-bas?
On vous reçoit, oui. D'accord. Tout à l'heure, il y a Mariam Sidibé qui vient de me souffler quelque chose. Lorsque Chef Bafa a signifié le nom de la recette, il a dit qu'il s'agit de la crêpe forestière. Et donc, j'aimerais savoir si c'est une crêpe salée ou sucrée. Et quelle est sa particularité et quelle est sa différence des crêpes que nous, on a l'habitude de cuisiner et voir. Au fait, c'est une crêpe salée qui est composée de viande hachée et... un peu de riz et sans oublier les champignons. D'accord. Une crêpe salée fourrée. Une crêpe salée fourrée avec une béchamel et du fromage. D'accord. Vous en saurez plus tout à l'heure, Inch'Allah. D'accord, juste après cet élément. Ok. De retour sur le plateau de Allons à l'Iftar, eh bien Abdoulaye Modolé l'a signifié à l'introduction. Il s'agit aujourd'hui comme thématique de l'autodiscipline durant le mois béni de Ramadan. Et nous avons ici même sur notre plateau l'imam Kouyaté manquant pour en parler. Alors imam, assalamu alaikum encore une fois. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien j'avais dit qu'en parlant d'autodiscipline, eh bien on comprenait par là ce cheminement personnel. Et donc à votre avis, quels sont les fondements de cette action? Bismillah, as-salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, c'est d'abord un plaisir d'être à cette émission Allons à l'Iftar. Une occasion qui nous est donnée par le groupe Média Al-Bayan de nous prononcer sur certains sujets d'ordre religieux. Question inchallah d'élucider certains points. Et c'est sûr que Allah subhanahu wa ta'ala saura nous en récompenser. Inch'Allah. Voilà. Donc déjà, les fondements de l'autodiscipline, il faut déjà comprendre les mots qui constituent déjà le thème. Quand on parle d'autodiscipline, on parle d'une organisation, n'est-ce pas, qui est propre à chacun d'entre nous. On parle de décisions, surtout de décisions, parce que quand notre père Adam alayhi salam, Allah il sort du paradis, Allah il a blâmé après, quand Allah il dit « Falam najid lahu azma », on ne l'a pas trouvé décisif. Parce qu'un homme, c'est la décision. Un changement part d'abord d'une décision qui est prise en amont, qui est prise de façon intérieure. Donc chacun d'entre nous, de façon individuelle, on devrait donc déjà prendre des décisions assez fortes, n'est-ce pas, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la discipline. Et la discipline ici, c'est la religion. Et notre religion, comme on le dit, « Dinuna dinu iqara », c'est une religion qui est basée sur la science, c'est une religion qui est basée sur des textes, n'est-ce pas. Donc, Allah dit, fa'in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Quand vous polémiquez ou encore vous avez des inquiétudes concernant certaines thématiques, il dit, référez-vous à Allah et à son messager. Donc, la discipline ici voudrait qu'on se réfère donc, à Allah et à son messager. Cela va donner de la valeur à nos actions. Parce que d'entrée de jeu, une action n'a de valeur en islam que lorsqu'elle respecte trois grandes conditions. Premièrement, celui qui fait l'action, il devrait être sincère quand il fait l'action. Allah dit « Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin ». Aucune œuvre n'est acceptée par Allah sans qu'elle ne soit motivée à la base par la sincérité. Et la deuxième condition, c'est ce qu'on va appeler « al-mutaba'a ». N'est-ce pas? Il faudrait que cette action-là soit conforme, n'est-ce pas, à la recommandation du prophète alayhi salatu salam. Une fois qu'elle n'est pas conforme à cette recommandation, comme il nous dit dans un hadith, il dit man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. C'est lui qui insinue une chose qui ne fait pas partie de la religion, cette action-là, elle est rejetée. Donc l'autodiscipline va nous amener, chacun individuellement, les efforts qu'on n'arrivait pas à fournir avant Ramadan, certaines pratiques mauvaises qu'on n'arrivait pas à délaisser, Allah nous donne cette occasion, cette aubaine. Parce qu'avec l'avènement du mois de Ramadan, le shaitan et tous ses alliés qui sont les shayatines, ils sont ligotés, ils sont enchaînés. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les portes du paradis sont ouvertes, sont grandieusement ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées. Alors chacun d'entre nous devrait se surpasser. Donc voici quelques fondements, Inch'Allah, qu'on pourrait avoir en ce qui concerne cette autodiscipline-là. C'est un impératif, c'est le gage même de la réussite de notre mois de Ramadan. Vous avez parlé de décision tout à l'heure, ce qui veut dire que l'intention joue un rôle fondamental dans l'autodiscipline. Effectivement. D'accord. Non. Alors, imam,
Vous avez également dit que l'autodiscipline a un impact sur la pratique de la religion. Mm-hmm. On sait aussi qu'en tant que croyant, l'une des valeurs qu'on a, c'est d'avoir foi en la destinée, de croire en la destinée, en la prédestination également, de ce que Allah a prévu pour nous dans notre cheminement. Mais est-ce que l'autodiscipline peut avoir un impact sur notre destinée? En la matière, là, ça nous ramène à la compréhension qu'on devrait avoir du destin. En islam, pour mieux comprendre le destin, il faut se référer, n'est-ce pas, aux sifat, aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, Allah, il est le sachant. Allah, il sait tout. Ça, c'est deux. Et deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Celui qui n'a pas compris la justice d'Allah, n'est-ce pas, il ne peut pas comprendre le destin. Parce que dans le Coran, Allah, il dit, « Wa ma ana bidhallami lil abid » Il dit, « Moi, Allah, je ne suis injuste envers personne. » Donc, quand on sait que Allah, il a la science, n'est-ce pas? Il est l'omniscient, il détient la science de tout, n'est-ce pas? En même temps, il est celui-là même qui s'est attribué, n'est-ce pas, à la justice. Il dit, ya ibadi, il dit, oh mes serviteurs, il dit, moi, Allah subhanahu wa ta'ala, haram tu dhulma ala nafsi. Je me suis interdit l'injustice. Et j'ai interdit l'injustice également entre vous. Il dit, fala tadhallamu. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Donc, une fois qu'on a su, on a accepté, ça fait partie de la foi. Parce que quand on dit « el-iman » en arabe, ça veut dire « at-tasdiq ». La foi, en arabe, ça veut dire rendre quelque chose vrai. Il faut rendre véridique une chose. Donc, on va comprendre cela. Quand Moussa et Youssouf alayhi salam, ses frères sont sortis avec lui, ils sont venus dire à leur papa « wa ma anta bi mu'minin lana wa law kunna sadiqin ». On est parti, il y a le loup qui a dévoré Youssouf. « Tu ne seras pas croyant », c'est l'expression qu'ils ont utilisée. « Wa ma anta bi mu'minin lana », tu ne vas pas nous croire. Ici, il veut parler de la véracité de leurs propos. Donc, qui parle de foi, parle de rendre véridique. Donc, ici, nous, on est croyants parce qu'on a cru en quelque chose. On a rendu quelque chose vrai. Alif, lam, mim, dhalika al-kitabu, la rayba fihi, huda, lil muttaqin. Allah, il a révélé le Coran. Il dit, il n'y a pas de doute là-dessus. Comme quoi, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous, on a cru en cela. Donc, on est croyants. On sait que Allah, il sait tout. Donc, Allah, il est juste. Alors, l'autodiscipline de chacun va impacter le destin à quel moment? Quand on va faire des formules, on va formuler les invocations. Parce que le prophète sallam dit, le destin, Allah, il l'a déjà écrit, rien ne peut le modifier si ce n'est que deux choses. Les invocations qu'on fait, le mois de Ramadan, si on est discipliné, on va faire des doigts, Allah va les accepter, parce qu'Allah, il nous l'a promis dans les versets du mois de Ramadan. Et deuxième chose, en faisant l'aumône. En faisant le monde, ça va être cause à sadaqatu yarfa'ul bala, comme qu'a alayhi salatu salam. En faisant le monde, Allah va nous préserver du mauvais destin. D'accord. Donc l'autodiscipline va nous aider à assainir, j'ai envie de dire ça comme ça, d'accord, notre destin, inchallah. Alors vous avez dit, quand on parle d'autodiscipline, on parle également de décision à prendre, une volonté d'aller vers un changement. Est-ce qu'il voudrait dire que des personnes qui n'arrivent pas à se repentir, c'est parce que peut-être qu'elles n'ont pas encore pris la décision ferme de changer, de se discipliner? Effectivement, on va dire oui. Parce qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Balil insanu ala nafsihi basira ». L'être humain se connaît, mais Allah nous connaît mieux que nous. Donc, chacun d'entre nous a son effort à faire. Allah dit « Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqawaha qad aflah man zakaha ». Allah, il a insufflé à l'âme son immoralité ainsi que sa piété. A réussi celui qui a pu purifier son âme. Chacun à son niveau devrait travailler, n'est-ce pas, sur sa propre personne. Parce que ce serait un laxisme, ce serait un laisser-aller de dire que non, il y a le destin qui est là. Et même quand le prophète sallam il a parlé du destin, les compagnons ont dit, mais dans ce cas, on ne va plus agir, on ne va plus être discipliné, on ne va plus faire objet, n'est-ce pas, preuve d'autodiscipline, on va suivre donc le destin. Il dit non, il dit œuvrer. Chacun sera, n'est-ce pas, motivé vers le destin qu'Allah a prévu pour lui. Et là, d'accord, et là, voilà, sont les enseignements islamiques qui parlent de l'autodiscipline, voilà, qui parlent de faire un effort sur soi-même, mm-hmm, pour, on va dire, maîtriser son ego, son âme, ses pulsions. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres enseignements ou exemples qui peuvent soutenir cela? Je veux dire, il y en a plusieurs en fait. Il y a tellement d'exemples qu'on ne saurait, on se lasserait même pas de les citer. Je vais donner seulement le hadith, n'est-ce pas, dans lequel un compagnon, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Awsini ya Rasulullah ». Il dit, donne-moi un conseil au messager d'Allah. Quand il lui a demandé cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la tardab. Il dit, ne te fâche pas. C'est-à-dire, il le ramène lui-même vers l'effort qu'il doit faire, vers la discipline dont il devrait faire preuve. Il dit, ne te fâche pas. Après, il dit, donne-moi un autre conseil. Il dit, ne te fâche pas.
Il insiste la troisième fois, donne-moi un conseil. Il dit, ne te fâche pas, voilà Kaljana, et tu seras admis au paradis. Quand on vient vers le professeur, il te ramène en te recommandant, n'est-ce pas, toi-même de faire des efforts. C'est en ce sens-là que de l'autre côté, nos confrères vont nous dire que Allah il a créé l'être humain à son image. Parce que Allah nous a honorés en fait. Allah dit, laqad karamna bani Adam. Il dit, certes, on a honoré le fils d'Adam. Fahadil karama, karamatul aqliya. Le bonheur dont Allah, ou bien l'honneur dont Allah il parle ici, il parle du fait qu'il nous a donné l'esprit de discernement. On arrive à savoir que ça c'est bon, je ne vais pas faire ça. Non seulement dans d'autres mois je ne dois pas faire, en plus on est dans Ramadan, je ne le fais pas. Et nous, on arrive à savoir que ça c'est bon, je dois le faire dans d'autres mois, mais en plus du fait qu'on soit pendant le mois de Ramadan, je dois redoubler d'efforts. Chacun à son niveau, à ce libre arbitre-là en lui, qui fait de lui le maître, n'est-ce pas, de sa vie, de sa situation. D'accord. Chacun le libre arbitre. En même temps, je voulais savoir, est-ce que sans pression extérieure, l'homme est capable de s'autodiscipliner, sans menace extérieure, sans contrainte? C'est possible, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé des conditions d'être épanoui. C'est en ce sens-là, il nous a parlé d'entraide. Il dit « tahawwanu », entraidez-vous, « alal birra wa taqwa ». Entraidez-vous à faire le bien, n'est-ce pas, et à atteindre l'étape de la piété. Donc, en réalité, nous sommes une communauté, comme Allah nous l'a enseigné, « Kuntum khayra umma ukhrijat linnas ». Il dit, je vous ai fait surgir, vous êtes la meilleure des communautés que moi, Allah, j'ai fait surgir pour l'espèce humaine. « Ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ». Vous enjoignez mutuellement à faire le bien, vous interdisez mutuellement à faire le mal. Et quand on regarde l'histoire de ceux-là même qu'on appelle Ashab al-Sabt, les hommes du samedi dans le Coran, c'est une communauté au temps des fils d'Israël où Allah leur a interdit d'aller à la pêche le samedi. Il y a un groupe qui a dit, nous on ne va pas aller à la pêche, celui qui veut partir, ça n'engage que lui. Il y a un deuxième groupe qui dit, nous on ne va pas aller à la pêche, ceux qui vont aller, on va les empêcher d'aller à la pêche. Et il y a un troisième groupe qui dit, nous on va aller à la pêche, coûte que coûte, vaille que vaille. Alors qu'est-ce qu'Allah il a fait? Allah il a descendu son châtiment. Le groupe qui a décidé de ne pas aller à la pêche, mais ils disent chacun pour soi, Dieu pour tous. Et le groupe qui s'est entêté à aller à la pêche, ces deux groupes-là, Allah les a transformés en chimpanzés, comme châtiment. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe qui s'est abstenu, n'est-ce pas, d'interdire le mal. Mm-hmm. Nous sommes la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu vois quelque chose de mal, il faut aider la personne. Comme le hadith le dit, aide ton frère quand il est oppresseur. Et aide-le également quand il est victime d'oppression. D'accord. Donc, dans tous les cas, il faut s'entraider. Il faut s'entraider dans tous les cas, Hugo. Merci, Imam Makakouya. Nous allons maintenant donner la parole. Excusez-moi à Madame Sidibio pour l'écho du Ramadan. Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre rendez-vous de l'information. Le Conseil suprême des imams, organisation et structure sunnite CODIS a organisé sa rupture collective de jeudi. Le jeudi dernier, voilà, organisation et structure sunnite a affiché complet sur invitation du premier responsable des organismes et structures sunnites en Côte d'Ivoire, Dr Moussa Fadiga Al-Farouk. Une rupture collective qui intervient dans le renforcement de la fraternité islamique, mais aussi témoigne de l'importance de l'œuvre ensemble pour la cohésion au sein de la communauté. Et puis après avoir mobilisé des fonds pour soutenir les personnes vulnérables lors de son premier dîner gala, l'ONG Aïcha, association islamique caritative humanitaire active, est allée soulager des fidèles musulmans au Danyama. Cette opération, dénommée les paniers du Ramadan, vise à soutenir 500 familles vulnérables. Docteur Kourouma Sarah est la présidente de l'ONG. Suivons un extrait de son intervention. À l'occasion du mois béni de Ramadan, nous organisons une œuvre de portée sociale dénommée les paniers du Ramadan. Il s'agit d'une caravane de dons à l'intention des personnes les plus vulnérables, les plus démunies de la Côte d'Ivoire. Donc cette année, nous avons pu recenser dans la commune d'Anyama des populations démunies, des enfants malades, des orphelins, des handicapés qui vont aujourd'hui bénéficier de ces dons. Nous tenons ici à remercier vraiment nos généreux donateurs de Côte d'Ivoire, d'Amérique et d'Europe qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir tous ces dons que vous voyez derrière moi. Qu'Allah les en récompense au centuple. Amine, ce sont des sacs de riz et plusieurs kits alimentaires ainsi que des fauteuils roulants pour des personnes en situation de handicap qui ont été distribués.
contribuer. Et avant de refermer les portes de cette rubrique, je vous emmène, comme vous pouvez le constater sur votre post-récepteur, en Arabie Saoudite, dont la deuxième mosquée la plus sainte de l'islam, la mosquée de Médine, pour partager avec vous cette belle vidéo de rupture. Abdoulaye Modoloé, réaction? En tout cas, ça donne envie de se retrouver à la Mecque en cette période de Ramadan, vivre cette spiritualité, vivre également ce bonheur de partage avec des frères d'autres nationalités, d'autres continents, d'autres pays, venir donc ici pour prier à ce moment-là. Et surtout, quand cela se passe dans l'enceinte de la grande mosquée, vraiment, ça donne envie d'être là-bas. En tout cas, qu'Allah nous donne les moyens d'y aller également l'année prochaine, pourquoi pas pendant le mois de Ramadan. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous, Inch'Allah, pour d'autres informations plus croustillantes demain, Inch'Allah. Merci. Merci donc, Mme Sylvie, pour ces échos du Ramadan, pour ce septième numéro de l'émission. Allons à l'Iftar. Allons, nous allons poursuivre, bien sûr, avec l'imam Makan Kouyaté, Sefet Kouyaté. Tout à fait. Alors, imam, là, on vient de développer les fondements et tous les aspects autour de l'autodiscipline. Mais ici, on rentrait dans le vif du sujet et on parlait des actions pratiques à mettre en place pour vivre cette autodiscipline-là soi-même. Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Si vous permettez, je vais enchérir sa question. Il n'y a pas de souci. Nous sommes dans le monde Ramadan. Alors, comme on l'a dit, l'objectif, c'est d'atteindre la taqwa, la piété. Non. Comment peut-on s'autodiscipliner pour atteindre cette piété? Quelles sont les actions pratique à mettre en place? D'accord. Comme je le disais, on demande à Allah de répandre sa paix et sa bénédiction sur le prophète, ainsi que tous les croyants, qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux. Donc, le mois de Ramadan, il y a cinq grandes actions, sinon cinq grands actes d'adoration qu'on pose durant le mois de Ramadan. Le premier acte dont on devrait faire usage en termes d'autodiscipline, c'est le jeûne. Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois de jeûne. C'est le mois au cours duquel Allah il nous a demandé de jeûner. D'accord. Donc, alors qu'en arabe, jeûner, ça veut dire s'abstenir, c'est se priver. C'est ça le jeûne. Donc, dans le contexte religieux, il y a d'autres définitions. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que durant le mois de Ramadan, on jeûne. Alors, quand on jeûne, il ne faut pas jeûner parce que les gens jeûnent, mais il faut jeûner de façon disciplinée. Quand je parle de discipline ici, il faut comprendre par là, jeûner comme Allah nous l'a recommandé, ainsi que son messager, alayhi salatu salam. Et donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit, il y a plein de jeûneurs, n'est-ce pas, il dit, pendant qu'ils jeûnent, ils n'ont aucune récompense de leur jeûne, sauf le fait qu'ils se soient abstenus de manger et de boire. Parce qu'ils n'ont pas été disciplinés durant la période de jeûne. Donc quand on jeûne, il y a d'abord les piliers du jeûne qui sont au nombre de trois. Premièrement, le premier pilier du jeûne, c'est l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas de jeûne pour celui qui n'a pas formulé l'intention la veille. Donc soit tu formules l'intention de tout le mois au début, ou alors tu formules l'intention au jour le jour, mais avant la prière de l'aube. Ça, c'est deux. Le deuxième pilier du jeûne, c'est ce qu'on appelle la période. La période doit être rigoureusement respectée. C'est depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Il faut respecter cela. Et troisièmement, ce sont les annulatifs du jeûne. Il faut s'éloigner des actes qui annulent le jeûne. Donc, les actes qui annulent le jeûne, on le connaît de façon succincte. Il y a le fait de manger, il y a le fait de boire, il y a le fait d'avoir des intimités et tout ce qui va dans ce canevas. Mais en même temps, il y a d'autres actes également, en parlant de discipline, d'autodiscipline, qu'on pose pendant qu'on est en jeûne, alors qu'on ne va pas te demander de reprendre ton jeûne ou de le rembourser, alors que tu n'as pas de récompense auprès d'Allah. Celui qui est en jeûne, il médite toute la journée. Étant en jeûne, il médite. Ça, c'est des actes qui détruisent, n'est-ce pas, la récompense du jeûneur. D'accord. Celui qui en jeûne également, il profère des paroles obscènes. Toute la journée, c'est lui qui ne fait que proférer des paroles obscènes. N'est-ce pas? Il est vulgaire dans ses propos. C'est des actes, n'est-ce pas, qui rongent également les mérites du jeûne. Celui également qui en jeûne, n'est-ce pas, et pendant sa période de jeûne, comme on l'a constaté, il fait assez de tapage. Il est beaucoup bavard. Il est bruyant même étant jeune. Il gêne les autres. Il gêne les autres, il dérange les autres. Et la colère peut-être. D'accord, la colère n'en fait pas partie. Mais le jeûne est plutôt une thérapie pour nous aider à corriger, à soigner notre colère. La maîtrise de soi. À maîtriser, la maîtrise de soi. Ça nous amène à maîtriser la colère. C'est en ce sens-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand c'est le jour de jeûne de l'un d'entre vous et que quelqu'un vient le combattre ou le tenir à son endroit des propos injurieux, il dit qu'il lui dit simplement « il ne soit il ». Il faut lui dire que toi, tu es en jeûne. Ça te permet de travailler sur toi.
Donc ça, c'est le premier acte qu'on pose durant Ramadan, le jeûne. Deuxième chose qu'on fait pendant le mois de Ramadan, c'est qu'on prie. C'est un mois au cours duquel on prie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man qama Ramadan, al-qiyamu huna bima'na as-sala ». Il dit « Celui qui prie pendant le mois de Ramadan, avec foi et conviction de la récompense, il dit « Celui-là, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi ». Allah va lui absoudre tous ses péchés, parce qu'il a prié. Mais il ne faut pas prier aussi pour prier. « Daya'akallahu kama daya'atani ». Quand tu pries mal, tu es allé dans des mosquées, comme on le dit dans nos jargons, avion par terre, parce qu'il y a une émission que tu dois regarder, c'est magique. Donc tu es allé, tu as fait la prière de façon débarrassée. Quand tu finis, Allah insuffle une âme à la prière qui va te maudire. Quand tu pries correctement, la prière aussi a une âme qui va prier pour toi. Donc s'il s'agit de prier, il faut prier correctement. Surtout les prières de la nuit. Et quand on va rentrer dans les 10 dernières nuits, on va commencer les prières de tahajjud. Les prières de nuit sont très importantes. Tellement elles sont importantes, Allah il a donné à ceux-là une récompense qui est spéciale. Surtout la prière de Shafi'i et puis Witr. Les trois dernières rakats qu'on fait sont des prières qui sont des sunnah mu'akkada, fortement recommandées. Donc il faut prier correctement. Troisième chose qu'on fait durant le mois de Ramadan, c'est la générosité. Cela fait partie, ça devrait faire partie de notre autodiscipline. Chacun à son niveau, avant même le mois de Ramadan, devrait allouer un budget, n'est-ce pas, au fait d'assister les personnes démunies, les personnes qu'on trouve, n'est-ce pas, faisant partie des couches les plus vulnérables. Et cela n'a rien à voir avec la richesse. Quand on regarde la sourate Al-Baqara, la sourate La Vache, c'est l'histoire d'un jeune qui nous est relaté. Et ce jeune-là, Allah l'a enrichi parce qu'il avait trois qualités. Et quelles sont ces qualités? Et ces qualités, là, premièrement, il respectait la prière. Deuxièmement, il respectait sa génitrice, la piété fidèle. Et troisièmement, à chaque fois, il donnait l'aumône. Il s'acquittait de l'aumône. À cause de ça, à la fin de l'histoire, dans Surat al-Baqara, Allah il a envoyé un ange pour lui dire, la vache que tu vas vendre aux gens là, il ne faut pas leur vendre ça moyennant de l'argent. Il faut leur demander de peser, ils vont te donner l'équivalent en or. C'est comme ça qu'il a vendu, il est devenu riche. Donc c'est un mois de partage. Et cela fait partie de l'autodiscipline. La quatrième chose qu'on devrait faire, également durant le mois de Ramadan, c'est quoi? C'est la récitation ou la lecture assidue du Coran. C'est le mois au cours duquel Allah a révélé le Coran. Le Coran, le mois de Ramadan est un mois béni parce qu'il a abrité la meilleure des nuits, qui est la nuit del Qadr. Allah dit Inna anzalnahu fi laylati mubaraka. Et on l'a révélé, c'est-à-dire le Coran, en une nuit qui est bénie par Allah. Toute personne qui s'adonne au Coran, Allah va bénir la personne. C'est en ce sens-là que la première sourate qui est révélée dans Sourate Al-Alaq, les premiers versets, c'est Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Le bi qui est au début de Bismillah, là, quand on dit bismi rabbik, al-ba'u huna al-ba'u al-istishab, hiya ba'u al-baraka. Ce ba'u, on appelle ça le ba'u de la bénédiction. Allah dit tabaraka ismu rabbika dhul jalali wal ikram. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulku. Béni soit le nom de ton Seigneur Allah, béni soit Allah. Tout ce qui a trait au Coran, il y a de la bénédiction dedans. Quand on dit bénédiction, c'est d'avoir beaucoup de récompenses, beaucoup de profits. Alors, si on veut avoir toutes ces récompenses, cela va du soi avec l'autodiscipline, d'où le développement de ce thème, Inch'Allah. L'autodiscipline, Imam, c'est le fait également de ne pas tricher, parce qu'on voit dans nos marchés les commerçants qui travaillent avec le kilo, la viande, hein, qui se mettent à tricher. Oui, en fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'autodiscipline, la discipline même, l'auto ici, on l'a utilisé pour amener l'effort à soi. La discipline, c'est les prescriptions d'Allah et son messager. Houdad l'innas, il dit, on a révélé le Coran afin que ce soit une guidée pour les hommes. La chose la plus importante, c'est la guidée. Alors, quelqu'un qui jeûne, et lui n'a pas pris la décision, bien avant même le mois de Ramadan, de rompre avec certaines pratiques qui ne sont pas conseillées, ne sont pas autorisées par Allah et son messager, c'est ce qu'on dit « al-khizlan »« fa'innahu min al-khizlan » C'est comme c'est un leurre en fait. Il se trompe lui-même. « Man rachana fa'laysa minna » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui nous trompe, il ne fait pas partie de notre communauté. » Donc tu ne peux pas prétendre, n'est-ce pas, aspirer à la piété qui est la chose recherchée pendant qu'on est en train de jeûner. Et pendant ce temps, ton sac, il est troué, tu cherches à le remplir. D'accord? Tu ne peux pas gruger les gens là-bas pendant que tu cherches à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et peut-être si les questions ou bien l'occasion nous est donnée, il faut qu'on explique ce que c'est que la piété en fait. Parce que des fois, on pense que la piété, c'est la crainte d'Allah. Pourtant, la crainte d'Allah est une composante de la piété. Si on savait vraiment pourquoi est-ce qu'on jeûnait,
on allait savoir que c'était un impératif pour chacun d'entre nous de s'autodiscipliner. Alors, imam, pour s'autodiscipliner durant le jeûne, on connaît les prescriptions données, on sait qu'il faut s'abstenir de plusieurs choses. Mais concernant la prière, qui est le deuxième élément que vous avez signifié parmi les cinq éléments tout à l'heure, on a tendance souvent lorsqu'on prie à voix basse pour les femmes, je suppose hein, pour plusieurs femmes, d'avoir peut-être 100 ou 1000 pensées à la seconde. Et donc comment s'autodiscipliner durant la prière, juste à la fin? D'accord, pour rester concentré. Dans la prière, voilà, du début jusqu'à la fin, ça demande un exercice. Voilà. C'est en ce sens-là qu'il nous est demandé de faire beaucoup de prières surrogatoires. Et le mois de Ramadan, c'est par excellence le mois au cours duquel, quand tu fais deux rakats de prières surrogatoires, tu as la récompense d'une prière obligatoire qui est faite dans d'autres mois. Donc c'est l'occasion, n'est-ce pas, de se concurrencer dans ce grand mois-là. Il faut faire beaucoup de prières surrogatoires. Et surtout, il faut se lever la nuit. Et quand on se lève la nuit, la prière de nuit a une façon d'être faite, qu'on appelle Qiyam al-Layl. C'est-à-dire qu'on reste longtemps debout. C'est comme ça qu'on accomplit les prières de nuit. Il faut prolonger les stations debout comparativement aux autres postures qu'on occupe dans la prière. À travers cela, on verra que la concentration va venir. Quand le prophète sallam se levait la nuit pour prier, il arrivait des fois où ses pieds s'enflaient. Notre mère Aïcha lui disait, mais pourquoi est-ce que tu te tortures de la sorte? Alors qu'Allah est absous de tous tes péchés, il dit, ne devrais-je pas moi être un esclave reconnaissant? Celui qui se lève la nuit, s'il doit faire une rakate, qu'il fasse l'effort de faire une seule rakate en 15 minutes. Tu restes debout pendant 10 minutes et les génuflexions, revenir, aller en sujoud, tu les fais en 5 minutes, tu verras que ça va t'aider à te concentrer dans la prière. C'est une pratique qui est très importante. La deuxième chose, c'est de faire des doigts. Merci donc de suivre Allons à l'Iftar sur la télévision albayane. C'est tous les jours à partir des 17h jusqu'à la fin de ce mois béni de Ramadan. Après donc nos échanges, on aura la suite bien évidemment. Mais ça fait actualité, il faut prendre les nouvelles de notre crêpe forestière, n'est-ce pas? Tout à fait, avec nos chefs, Natou Fofana, chef Bafa. Est-ce que vous nous recevez? Oui, on vous reçoit 5 sur 5. Alors, comment ça se passe la cuisson de nos crêpes forestières? Alors, tout se passe bien ici. Chef Bafa et moi-même avons bien travaillé pendant cette pause. On s'est attaqué aux crêpes, à la farce, la viande hachée. Et en ce moment, c'est la béchamel que Chef Bafa est en train de s'activer. Alors, Chef Bafa s'active sur la béchamel, vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. D'accord, qui est quasiment prête, n'est-ce pas, Chef Bafa? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez rapidement donner la recette de la béchamel? Parce que je pense. La béchamel, ça s'est fait avec le beurre. Avec du beurre. La farine. D'accord. Le lait, sel, poivre et le noix de muscade. D'accord. On fait revenir le tout ensemble, c'est bien ça? On fait revenir le beurre d'abord, on commence par le beurre. On fait fondre le beurre, on met la farine et le lait. Après, maintenant, le sel, poivre et les noix de muscade. Et noix de muscade. Si vous voulez mettre un peu de crème fraîche, ça dépend de vous. D'accord. Voilà. Et ça ne prend pas de temps? Juste 3 minutes. 3, maxi 5 minutes. Maxi ça dépend, 5 minutes. Ça dépend, il faut faire à feu moyen en fait. D'accord. Voilà. Et quelle est la prochaine étape de ce plat? C'est le montage, puisque la béchamel elle est prête. D'accord. Nous avons déjà fini les crêpes et la bolognaise également. La bolognaise. Le riz également, donc du coup, on fait le montage. D'accord. Et la bolognaise, c'est en fonction de la recette que vous préférez, c'est bien oui, ça? Oui, la bolognaise. Il n'y a pas de recette. Non, il y a la base de la bolognaise qui est composée de la viande hachée et l'oignon, ou si vous voulez, échalote. D'accord. Et carottes. Voilà. Ça, avec des champignons. Avec les champignons. On fait revenir le tout ensemble. Ok. Voilà. D'accord, donc on passe au montage sous vos yeux. Merci. On commence par la crêpe. La crêpe, oui. Le neuf. Ensuite, on met un peu de béchamel. C'est vraiment une recette qui est très facile à réaliser, comme je le disais. Faites-le avec les enfants à la cuisine. Bourratif. C'est bourratif très aussi. Bourratif. Très bourratif, d'accord. Oui. Donc c'est idéal pour l'iftar. Tout à fait. D'accord. Alors qu'est-ce que Chef Bafa met au-dessus? Alors, on a commencé par la crêpe, ensuite la béchamel et la farce. On va ajouter un peu de fromage par-dessus après avoir enroulé les crêpes comme Chef Bafa est en train de le faire en ce moment. Après ça, quelle est l'étape qui suit, Chef Bafa? Après ça, on met un peu de béchamel d'abord. De la béchamel au-dessus. De la béchamel, oui, il faut napper. Ensuite, le fromage. Et on enfourne pendant au moins 20 minutes. Pendant 20 minutes. Voilà.
À 150 degrés, c'est bien ça. Voilà, en tant que chef, je sais le degré auquel on doit enfourner. Alors, tout ça va cuire pendant 20 minutes et on vous retrouve tout à l'heure lorsque tout sera prêt, Inch'Allah. En tout cas, nous sommes très impatients, en tout cas. Ça promet. La façon dont Chef Bafi est en train de badigeonner, de décorer cette trêve forestière, en tout cas. Je suis impatient que l'heure de la rupture arrive. À vue d'œil, c'est très appétissant. C'est appétissant. Et l'odeur, je peux vous confirmer l'odeur, ça sent vraiment très bon. Pour l'instant, on dévore avec les yeux, permet de dévorer avec les yeux. Ok. Et on pourra bien dévorer à 18h29, Inch'Allah. Merci à vous deux. Merci. Assalamu alaikum. Merci à nos deux chefs qui font en tout cas des merveilles dans la cuisine extérieure. Et puis après, on aura l'exposition ici dans la cuisine intérieure. Et le gratiné d'hier était très bon. Félicitations à Chef Bafa et Chef Natou. Vraiment excellent. Et donc, Imam, alors nous revenons sur la thématique d'aujourd'hui, l'autodiscipline. Et donc, lorsqu'on parle d'autodiscipline, quel impact cette action peut avoir sur notre santé? Bismillah, assalatu salam ala rasulillah. Cela va nous aider, Inch'Allah, sûrement, sinon nécessairement, à avoir un bon état de santé. Voilà, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith que les savants disent qu'il est faible, il nous dit dans le hadith, il dit jeûner afin que vous recouvrez la santé. Si vous jeûnez, vous allez retrouver la santé. Et on parle d'autodiscipline concernant les différents axes qu'on a abordés tout à l'heure, parmi lesquels on a parlé du jeûne. Ça veut dire que l'autodiscipline a beaucoup d'avantages. Voilà, ça a beaucoup d'avantages. Ça va nous aider nous-mêmes à organiser notre vie. Parce que l'islam, c'est une religion qui a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été légiférée afin que la société se porte mieux. D'accord? Donc, tant qu'on est discipliné, on verra que la société va se porter mieux. Même la nature va agir avec rectitude, avec justice. Ça, c'est l'effet ou l'impact, n'est-ce pas, de l'autodiscipline, ça. Voilà. Plus on est discipliné, plus la société se porte mieux. Alors, on constate également que pendant Ramadan, dans la circulation, beaucoup de transporteurs, même ceux qu'on appelle les chauffeurs de Bacar, de minicar, sont disciplinés au volant. Voilà. Les chauffeurs également de taxi, même les personnels également sont disciplinés. C'est ça aussi l'effet. Ils sont aussi gentils, très gentils. Ah, oui. Voilà, c'est l'impact de ça, en fait, de l'autodiscipline. Parce que le Ramadan, c'est un éducateur. Le Ramadan, c'est un recteur. Le Ramadan, c'est tout un code de vie, en fait. Voilà. Donc, quand ça arrive tout de suite là, comme on le dit dans un adage ivoirien, on dit « Dieu connaît barrage qui est lourd ». C'est Bella qui se joue les têtus. Ça, c'est le langage ivoirien, ça. C'est-à-dire, en fait, nous tous, on sait ce qui est déjà interdit avant Ramadan. Mm-hmm. Mais des fois, on s'entête, n'est-ce pas, à commettre le péché. Mm-hmm. Donc, quand Ramadan arrive, Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous donne encore une valeur ajoutée. Il y a une insufflation, une sorte d'insufflation durant le Ramadan. Merci, parce que Allah, il crée les conditions de notre ascension spirituelle, de notre épanouissement spirituel, avec le fait que le shaitan ne soit plus là, tout. Donc ça va concourir, n'est-ce pas, à nous aider à être autodisciplinés. Mais il ne faudrait pas que nous, on se limite au mois de Ramadan. C'est l'erreur des fois qu'on commet. Nous, on fait l'effort d'être disciplinés, d'être autodisciplinés que durant le mois de Ramadan. En ce moment, on devient des musulmans que j'aime appeler des musulmans circonstanciels. Donc on n'est pas autodiscipliné de façon circonstancielle, mais c'est plutôt de façon perpétuelle. Allah dit « Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al umuru bi khawatimiha. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Les œuvres ne valent que par leur finition. » Est-ce que demain tu seras en vie? Est-ce qu'après Ramadan, est-ce que ce Ramadan n'est pas ton dernier Ramadan? C'est la question à laquelle chacun d'entre nous doit répondre. Et aucun d'entre nous n'a la certitude que Ramadan prochain on sera en vie. Alors cela va, il y va de soi qu'on soit autodiscipliné durant ce mois. On va faire l'effort, mais pas seulement pour être discipliné ou autodiscipliné durant ce mois, mais de façon perpétuelle. D'accord. Il y a des personnes qui, on va dire, qui ont des péchés, qui ont des tentations, des faiblesses. Vous avez parlé du respect de la durée du jeûne, qui jeûne du matin jusqu'à l'heure de la rupture, juste après la rupture, qui peuvent allumer leur cigarette, qui est un poison pour leur santé. Non. Est-ce que là, elles n'ont pas respecté la discipline? Là encore, la discipline a été partielle. Tout à l'heure, on est en train de dire qu'il ne faudrait pas qu'elle soit circonstancielle. Il faudrait qu'elle soit intégrale, en fait. Totale. Allah dit « Ya ayyuhalladhina amanu » Il dit « Oh, vous les croyants, imprégnez-vous dans la religion d'Allah en entier, pas de façon partielle. » Et tu verras que très souvent, ce genre de personne, déjà, quand il est en train de prendre le sahur, là,
Pour lui, c'est comme il a tiré le frein à main, il va reprendre la circulation après la rupture. Déjà, la décision n'est pas bonne. En prenant le sahour, ton intention, Allah, je prends ce sahour-là afin d'avoir la force de t'adorer. Allah, je vais m'abstenir de fumer, de prendre la boisson alcoolisée. Et je vais plus loin. La nourriture basique qui est halal, Allah, je vais m'abstenir de manger ça à cause de toi. Allah, je te demande de m'aider à rompre avec toutes ces mauvaises habitudes-là, même après avoir rompu le jeûne. Mm-hmm. C'est en ce sens-là qu'on a parlé d'invocation. Mm-hmm. Si on fait des doigts, après qu'on ait fait, on ait fait d'abord des efforts en amont, c'est sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fera miséricorde. Mm-hmm. Et on va rompre avec toutes ces mauvaises habitudes-là. Alors justement, l'objectif du jeûne, on l'a dit, c'est l'atteinte de la piété. Mm-hmm. Lorsqu'on s'autodiscipline, il y a beaucoup de choses qu'on peut gagner dans la vie, au-delà de l'aspect religieux. Oui, c'est parce que quand spirituellement, c'est ce qu'on appelle la relation verticale. Quand verticalement c'est bon, c'est sûr que horizontalement ça va impacter. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand Allah il aime quelqu'un, il l'appelle l'ange Jibril. Il dit, Jibril, celui-là, moi je l'aime, il faut l'aimer. Jibril dit, Allah je l'aime à partir de tout de suite. Jibril aussi vient réunir tous les anges dans les cieux. Il leur dit, Allah il dit, il aime un tel, moi je l'aime, vous aussi vous avez le devoir de l'aimer. Un jour, c'était Abu Darda, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais dire, c'était plutôt Abadar el-Rifari. Ce jour-là, il avait porté une tenue, n'est-ce pas, où ils avaient pris des noix de date pour raccommoder la tenue. Alors, l'ange Jibril est venu et puis il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est pas Abadar qui est en train de passer. Il dit, mais comment tu le connais? Il dit, mais même les anges dans les cieux, ils connaissent Abadar. Ouais. D'accord? Parce que c'est une star en fait. Alors, la star, quand tu es la star d'Allah, c'est sûr que naturellement, tu es la star des hommes sur la terre. Ça va impacter, n'est-ce pas, ta vie mondaine, ta vie sociale. Les gens vont t'aimer en termes de réseautage, en termes de relations. Tu vas avoir des relations, les portes qui sont fermées vont s'ouvrir. Parce qu'en réalité, tout ce qui est apaisement, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, il dit, nous, on était un peuple qui était rabaissé. On n'avait pas de valeur. Il dit, mais à cause de l'islam, quand on a accepté l'islam, a'azzanallahu bil-islam, Allah nous a grandi, nous a honoré avec cette religion. Toute personne qui est autodisciplinée, qui fait l'effort de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sûr que ses efforts ne vont pas se limiter à Allah. Il va faire l'effort également pour assainir sa relation avec les hommes. Cela va de soi qu'il réussisse ici ainsi que dans l'au-delà. Eh bien voilà, nous allons donc poursuivre cette émission Allah l'Iftar. Nous l'avions donc dit, nous recevons les scouts musulmans de Côte d'Ivoire. Nous allons les entendre tout à l'heure à travers un chant introductif. Et juste après, on va donner la parole à la porte-parole qui va nous présenter cette scripture que nous recevons dans cette émission. Le chant, c'est parti. Atakbir. Allahu Akbar. Souma takbir. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ilaha. La ilaha illallah. Ilaha. La ilaha illallah. Oh Muhammad Muhammadu Rasulu Rasulullah. La ilaha illallah. Ilallah. La ilaha illallah. Ilallah. La ilaha illallah. Oh Muhammad Muhammadu Rasulu Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Muhammadu Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha illallah. Muhammad Muhammadu Rasulullah. هو الذي خلق الأمه وأبي وجميع الناس لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد محمد رسول رسول الله. Merci beaucoup. Merci de nous maintenant donner la parole à la chef Ted Sissé Tinto Awa, qui va donc nous présenter cette association des scouts musulmans de Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum. A'ouz billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, nous sommes heureux d'être présents sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Et les scouts musulmans de Côte d'Ivoire, présentez-nous un peu cette association. Oui. Les scouts musulmans de Côte d'Ivoire, en abrégé SMC, c'est un mouvement de jeunes à caractère éducatif. Nous rassemblons des jeunes. Nous avons trois branches
nous rassemblons des jeunes de la, dans la première branche, qui est la branche jaune, des jeunes de 6 à 12 ans. Mmh. Ensuite, on a la branche verte qui rassemble des jeunes de 13 à 17 ans. Et ensuite, la branche aînée qui rassemble des jeunes de 18 ans et plus. Mmh. Et donc, comment on y adhère? Alors, c'est très simple. Et nous avons des commissions, nous avons des commissaires régionaux, notamment Abidjan Sud et Abidjan Nord. Dans chaque commune, nous avons des groupes. On a notre plateforme aussi sur Facebook et TikTok, ainsi de suite. Quel est le nom? Scout musulman de Côte d'Ivoire. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. En tout cas, merci d'être là. Et on a entendu les frères chanter, on veut entendre les sœurs également chanter. Et les frères vont répondre cette fois-ci. C'est bon? On y va. Elle est timide. La sœur est timide. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. 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 Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Tostoso, Salamun, Al-Mumimun, Al-Muhaimun, Al-Azizu, Jabbaru, Mutakabe, Sobohana, Sobohana, Lai, Al-Maru, Shrifu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Tostoso, Salamun, Al-Muminu, Al-Muhaimin, Al-Azizu, Jabbaru, Mutakabe, Sobohana, Sobohana, Lai, Al-Maru, Shrifu. Ouwa ouwa lezi, ouwa ouwa lezi, ouwa lezi yutin minu kura yaumun, ouwa lezi yutin minu kura yaumun. Ouwa ouwa lezi, ouwa 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 lezi, ouwa lezi yutin minu kura yaumun, ouwa lezi yutin minu kura yaumun. Merci infiniment. Merci beaucoup à Takbir. Allahu Akbar. Merci aux Scouts musulmans de Côte d'Ivoire, région sud et nord d'Abidjan, d'être participer en tout cas à cette émission. Nous allons poursuivre à l'iftar avec cette fois-ci la rubrique Ramadan Quiz, présentée par Djamila Sidibé depuis Boaké. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers téléspectateurs de la TV Albayan. Bienvenue dans le quiz du Ramadan et aujourd'hui nous sommes dans le quartier commerce. Alors en ce qui concerne la première question, il s'agit de qu'est-ce qui peut rompre le jeûne. Suivez-nous. Qu'est-ce qui peut rompre le jeûne? Bon, le jeûne, les rapports sexuels pendant la journée du Ramadan et boire l'eau ou manger en exprès. Bon, etc. C'est trop beaucoup, quoi. Le fait de se nourrir avant 18h30, bon, avant l'heure de la rupture. Il y a le fait de boire de l'eau avant l'heure de la rupture. Et puis, il y a ceux dont on ne parle pas trop aussi. Il y a peut-être le fait de mentir volontairement. Et puis, bon, il y a plusieurs actes, en tout cas. Les mal habillements de filles modernes actuellement, à l'eau, à les trucs bizarres, quoi. J'ai trouvé bizarre, par exemple. Bon, imaginons les films bizarres où on peut faire l'amour bizarre dedans, là, dans ce film-là. Qu'est-ce qui rend le jeûne? Bon, ni qu'à dix qu'on mi, ni qu'à Dominique, il y a son contient. Allez, il y a son tien. Voilà. Ni qu'à Kafoko Aïté Slamaye. Voilà, il y a son petit et tout. Ce qui peut gâter le jeûne du musulman, lorsque le musulman mange, lorsqu'il boit, et lorsqu'il fait des rapports sexuels, d'accord, lorsqu'il fait des choses qui sont à l'encontre de Dieu, tout ça, ça peut gâter le jeûne. Parce qu'il fait un coup d'affle avec un sababoui qui a adamadé qui a soum narachi, ou avec un sababoui frani qui a soum retien à l'aéro. A flana doit du mené kotoun, ou les mourons mi franqui, tout soum n'a qu'à mourir au corofo, ou loup d'abla. Le premier d'abord, c'est de manger dans le mois de jeûne. Le second, avoir des rapports avec une personne. Et le second, de dire des trucs qui ne sont pas vraiment licites. Je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que
C'est comme tu es assis au pibon. Tu es là à critiquer les gens qui ne sont pas auprès de toi. Ça, c'est interdit par la religion musulmane. Voilà. Et puis, quand tu es un jeune aussi, n'essaie pas de voler. Il y a des trucs qu'on ne fait pas dans les mois de jeunes. Il y en a plein, en fait. Il y en a plein. Donc, c'est pour quelques-uns. Les vols. Ouais. Ça m'échappe. Avoir rapport avec une femme étant jeune, ça peut gâter le ramadan. Aussi, boire pendant la journée, manger, ça peut gâter les jeunes. Le jeûne du musulman, boire l'eau, par exemple les rapports sexuels, c'est ce qui peut gâter le jeûne du ramadan. Kata sigi moko koro, iba koro fo, akofe, kakla kata sigi. Obe neni ke moko koro, ani banen, olebe sinche, kakla kajimi, kalabra kama, obe sinche. Me ni nina na kajimi, ute foike. Me kata sigi, teruche uchema, ibe ke koro fo ruke, kamoko koro fo, akofe, owache, kakla tuini. Il est dominicain. Son homme a baissé. Il va attirer. Ni bas qui voulait, il t'a l'amené. Ni fa qui voulait, il t'a l'amené. Quand il est baissé, au bras, il terminé. Oh ouais, ni t'a la sigi, jamais tu m'as franc. Quand fanen me claironna, quand t'as sigi, quand fanen doke, aïe ni ka terre beba, suna, a terminé. Le quiz du ramadan est terminé pour aujourd'hui et la question du jour était « Qu'est-ce qui rend le jeûne ?» Merci de nous avoir suivis et puis je vous retrouve à très bientôt. C'était Ramadan Quiz avec Sylvie Djamila depuis donc Boaké. Et là, nous, on revient ici avec notre invité, l'imam Makan Kouyaté, imam principal de la mosquée du lycée moderne d'Abobo, pour avoir la réponse. Est-ce que tout ce qui a été dit comme réponse par les personnes interrogées, est-ce que tout est juste? Quelle est la réponse exacte? Bismillah, salat wa salam ala rasoulillah. Les actes qui annulent le jeûne, qui rompent le jeûne, il y a d'abord le fait de manger, le fait de boire, le fait également de vomir, n'est-ce pas? Et le fait d'avoir des intimités, des rapports intimes, et le fait aussi d'éjaculer en état de veille. Voilà, tout ce qu'on a cité, quand c'est fait exprès, ça annule le jeûne. Mm-hmm. Mais quand ce n'est pas fait exprès, ça n'annule pas le jeûne. D'accord. Quelqu'un qui a mangé ou qui a bu par inattention, son jeûne n'est pas annulé. Quand dès qu'il s'en rend compte, automatiquement, il ressort la partie qui est dans sa bouche et puis il continue son jeûne. Alors, voilà. On entendait aussi le petit oustaz qui a parlé. Là. Voilà, le grand oustaz même, j'allais dire. Voilà, des pratiques telles que la médisance, n'est-ce pas, le fait de tenir des propos déplacés, on l'a dit lors de notre exposé, ce sont des actes, n'est-ce pas, qui réduisent la récompense du jeûneur au point même, n'est-ce pas, de te retrouver au soir du jeûne, d'un jour de jeûne avec toutes les récompenses qui sont parties. Donc, ce sont des actes déconseillés. Donc, il faut s'en éloigner. En termes d'annulatif de jeûne, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure, Inch'Allah. Merci infiniment, Imam Makan Kouyaté. Nous allons poursuivre nos échanges sur l'autodiscipline pendant le ramadan. Alors, comment pratiquer cette autodiscipline au quotidien? Bismillah, salat wa salam ala rasoulillah. Au quotidien, je vais vous donner l'exemple d'une journée, par exemple, de jeûne. J'ai formulé l'intention la veille. Et bien entendu, je retarde la prise du sahour. Parce qu'il est plus méritoire de retarder la prise du sahour que de prendre le sahour au début de la nuit. Et le fait même de prendre le sahour déjà est une bénédiction. Ça, on l'a su. Après, j'ai fait mes prières de nuit. J'ai fait mes prières de Isha déjà. J'ai fait mes prières de Tarawih. J'ai fait ma prière de Chafouitre. J'ai fait mes doigts que je pouvais faire pendant le Kounout. Et après, j'ai fait mes deux rakats, n'est-ce pas, qu'on appelle communément rakatain el fajr. Après, j'ai fait ma prière de soub. Après ma prière de soub, je ne me couche pas. Je reste éveillé jusqu'à ce que le soleil apparaisse. Et c'est très souvent cette habitude qu'on a qui n'est pas du tout à encourager. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dormir après fajr, c'est déconseillé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait droit afin qu'Allah bénisse à sa communauté tout ce qu'elle va entreprendre, n'est-ce pas, de bonheur. Donc après fajr, c'est le moment, n'est-ce pas, de se rappeler à Allah.
Juste après la prière, c'est de faire les tasbihat, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Faire les zikrs qu'on a à faire jusqu'à ce que, n'est-ce pas, il y ait l'apparition, n'est-ce pas, du jour. Et une fois que les lueurs de la journée commencent, on va faire deux rakat qu'on appelle salat al-ishraq. Voilà, cette prière-là est appelée prière de la matinée. Mm-hmm. Juste après ça, c'est deux rakat ou quatre rakat. Si on fait deux rakat, c'est salat al-ishraq. Si on fait quatre, la deuxième tranche des deux qu'on a ajouté, c'est salat al-hajja, la prière du besoin de la journée. Après ça également, si on a d'autres choses à faire, on va les faire et on va attendre 9h30, 10h pour faire la prière de Duha. C'est une prière qui est très méritoire, qui est très importante. En ce sens-là, celui qui a manqué de faire la prière de la nuit, il va la rattraper à l'heure de Duha. Mm-hmm. Seulement qu'ici, on va rattraper en paire. Mm-hmm. Si tu devais faire 3 à 4 la nuit, le sommeil t'a emporté, tu n'as pas pu les faire. À l'heure de Duha, tu fais 3 plus 1, ça fait 4, tu les accomplis là-bas. C'est une prière qui est très méritoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pour chaque articulation qu'on a, on devrait faire une aumône. Faire deux rakats à l'heure de Doha, c'est mm-hmm. suffisant pour okay. nous acquitter de toutes les aumônes, de toutes les articulations. Mm-hmm. Et après cela, avant la prière de Zuhur, on fait 4 rakats comme prière surrogatoire, 2 à 2. Après, on fait la prière de Zuhur. Après Zuhur, on fait 4 rakats également. Avant la prière du Asr, on fait 4 rakats, prière surrogatoire. Après, on accomplit la prière du Asr. Après cette période-là également, c'est une période qui est propice encore pour faire le dhikr. Le dhikr ici, ça prend en compte les tasbihat qu'on a cités et également la lecture du Coran. Donc, en ce moment-là, on est déjà dans un état de recueillement pour adresser les supplications à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est bientôt l'heure de la rupture du jeûne. Donc, si on a des préparatifs en termes de prendre un bain, de changer nos vêtements, tout ça, on va prendre comme disposition et on va s'apprêter maintenant pour la rupture du jeûne. Donc, 30 minutes, 15 minutes avant la rupture du jeûne, en ce moment, on se dirige vers la Qibla et puis on ouvre les deux paumes vers Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah tout ce qu'on veut. Parce que celui qui est en jeûne, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les sa'imi farhataini. Il dit, le jeûneur a deux moments de joie. Une joie, farhatun inda fitrihi, une joie quand il va rompre le jeûne. Et l'autre joie, c'est quand il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec les récompenses, n'est-ce pas, immenses de son jeûne. Donc, avant cela, on fait des doigts pour tous les problèmes qu'on a. Mais il est sage, quand on fait des doigts, de toujours commencer par magnifier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, on ne tend pas les deux paumes et puis on dit, Allah, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Non. Avant de commencer, on commence par glorifier Allah. Mm-hmm. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une doua qu'on a commencé en disant Ya ahadu samadu, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est lui qui a dit ça avant de faire la doua. Il dit ce que tu vas demander après ça, ce sera toujours exaucé par Allah. Ouais. Il faut toujours commencer la doua. C'est important. Ya ahadu samadu, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est comme c'est la sourate Ikhlas. Mais on commence par Ya, oui. Au lieu de dire Ya Allahu Ya, Ya Allahu Samad, Qul Hu Allah Ahad. Donc c'est Ya Allahu Ya, Ahadu Samadu, Ladhi Lam Yalid Walam Yulad, Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Donc et on commence. Et c'est respectueux aussi envers Allah. Merci. Subhanahu wa ta'ala, voilà. De d'accord. Le glorifier avant de voilà. Demander. Voilà, Allah dit Lillahi l'asma'ul husna. Les meilleurs attributs appartiennent à Allah. Mais une fois qu'on a fait ça, on formule maintenant nos vœux. Mais on ne formule pas les vœux tout de suite. Avant d'arriver sur les vœux, tu demandes pardon à Allah. Parce qu'on est des pécheurs éternels. Donc, il faut se repentir. Allah, moi, je suis un pécheur. Allah, moi, je mens beaucoup. Allah, je fais ci beaucoup. Je fais ça beaucoup. D'accord. Allah, pardonne-moi mes manquements. Mais Allah, moi, je te demande si. Avant de demander ce dont toi tu as besoin, demande à Allah de dissiper les soucis de tes frères musulmans. D'accord. Voilà, tu les nommes. Une doigt pour tout le monde. Ceux que tu connais, tu peux les nommer. Mm-hmm. Allah, mon frère Abdul Hakim, il a besoin d'avoir beaucoup d'argent. Il n'en a pas besoin. Hein? Il n'en a pas besoin, mashallah. J'en ai besoin. Voilà, donc on fait des doigts. Et une fois qu'on a rompu le jeûne, n'est-ce pas, on a pris des dates. En rompant le jeûne, on a fait la doigt. C'est bon de prendre des dates impaires. On a rompu le jeûne, on a pris du chaud. Comme les nutritionnistes nous le conseillent. Oui. Après, on va aller à la prière du Maghrib. Après, on va venir, on va prendre encore un plat qui est un peu plus consistant que celui qu'on a pris à la rupture. Après, on va aller à la prière de Tarawih. Ce qui est important, la prière de Tarawih, ça vient du mot qu'on appelle Tarawiha. Tarawiha, c'est la prière qu'on fait. Avec votre permission, on va développer l'importance de la prière de Tarawih juste Inch'Allah. Après cette rubrique de Instant Iftar présentée par Khadija Doubia. «
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatou, chers téléspectateurs, chers jeunes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 6 Ramadan 1445 de l'Hégire et c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette rubrique Instant Iftar. Nous sommes à Mbadon, dans la commune de Kokodi et c'est la mosquée Fatma Zahra qui nous reçoit pour le Iftar. On y va. Alors, assalamu alaikum, je suis ici avec Adia, Adam Savané, et puis Adia Doumbia aussi. Donc, Adia, Adam, vous allez nous dire ce que vous avez prévu pour la rupture ce soir. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bon, aujourd'hui, on a prévu sauce feuille au riz, avec de la viande. Et puis, il y a la bouillie. On a fait un peu de thé pour la rupture. Et puis, on a fait la pomme de terre au poulet. En tout cas, c'est dans le, tout le menu qu'elle a cité, là, la sauce feuille, là, ça me parle parce que ni la femme à côté. Ici, la rupture se fait avec l'aide de différents fidèles qui nous apportent leur soutien financier et en nature pour qu'on puisse assurer la rupture du jeûne des différents musulmans de la zone. Ça peut être des sans emploi, des fonctionnaires. En tout cas, tout le monde y passe pour rompre le jeûne ici. Fais du bien, le bien se paye toujours. Prier, jeûner, le mois de Ramadan, c'est un mois béni. Et nos remerciements à toute l'équipe qui est venue nous couvrir ce soir et qu'Allah nous donne le terme du mois de Ramadan, agréé par Allah, et qu'Allah agrée notre jeûne et qu'il nous fasse rentrer par la porte Ryan dans le Firdaus, Inch'Allah Ta'ala. Alors, j'ai ce cadeau-là de la part de Sania, notre sponsor pour Maman Savané. Donc Maman, voilà. On s'est très bien régalé. Merci pour l'invitation. Merci. Et on vous souhaite un très bon mois de Ramadan. Merci beaucoup. Bon, nye doa ouka albayani. Aina ko djana anye. Amba, sunti genyo on fait. Kawaka fitri seri. Aiba baka kado dia. Ala brakado albayani. Voilà, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est tout pour aujourd'hui. J'étais avec la famille Sissavané du côté de Mbadon. On vous dit à demain, Inch'Allah, dans une autre communauté, une autre famille, pourquoi pas la vôtre. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Salam alaikum. Merci infiniment Khadija Doumbia pour cet instant Iftar. En tout cas, c'est tous les jours dans l'émission Allons à l'Iftar. Nous attendons d'autres invitations afin que puissent visiter vos familles ou mosquées pour savoir comment est-ce que vous rompez le jeûne en ce Ramadan 2024. Nous sommes toujours avec notre invité, Imam Makankouyaté. On va donc vous permettre de poursuivre sur l'importance du Tarawih. Et juste après, ce sera donc la conclusion de votre intervention. Inch'Allah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, on parlait de la prière du Tarawih, qui est par définition la prière qu'on fait de façon décontractée. C'est une prière sans pression, parce qu'on a rompu le jeûne. Si on doit aller faire une course contre l'horloge, ce n'est pas fait, n'est-ce pas, pour améliorer notre état de santé. Donc, d'abord, c'est une prière surrogatoire qui est très méritoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui prie durant le mois de Ramadan, il parle des prières de Tarawih et des prières de Tahajjud, avec foi et conviction de la récompense, Allah va lui pardonner ses péchés. Ce qu'on veut dire aux musulmans, c'est d'aller à cette prière-là et de ne pas la bâcler. Voilà. Celui qui est fatigué de s'arrêter en faisant la prière de Tarawih, il peut s'asseoir pour prier parce que c'est une prière surrogatoire. Ce qui est obligatoire, c'est la prière de Isha. Ça, on a pour obligation de la prier étant debout. Mais une prière surrogatoire, si on est fatigué, on peut s'asseoir. Sauf que la récompense, c'est la moitié qu'on va avoir naturellement. Donc, on va l'accomplir 2 rakats. Pas 2 rakats. Et elle est sanctionnée par une doua qu'on appelle doua al-qunut. L'imam fait des doigts et nous, derrière, on va dire amin. Amin, tout à voilà. fait. Donc, Inch'Allah, voilà comment est-ce qu'il faut la faire. D'accord. Sans se précipiter.
Donc, ça fait partie aussi de l'autodiscipline, mm-hmm. parce que c'est une pratique qui est propre au mois de Ramadan. Mm-hmm. Donc, chacun d'entre nous devrait aménager son programme pour participer naturellement à ces prières-là, à cause de leur mérite. Il ne faut pas venir prendre le train en marche, comme quoi si j'ai fait deux, j'ai fait quatre. Ce n'est pas une condition de validité du jeûne, certes, mais les récompenses sont vraiment énormes, alors il ne faut pas les relâcher. Donc, ce qu'on veut dire pour conclure en termes d'autodiscipline, mm-hmm. c'est qu'il y a certaines entités qui vont nous aider à être autodisciplinés. Premièrement, on a parlé de décision. Mm-hmm. En plus de ça, il faut revoir, n'est-ce pas, nos habitudes. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Naturellement, on change une équipe qui ne gagne pas. Allah ne change pas la situation d'un peuple tant que ce peuple ne change pas sa façon de faire. Donc, celui qui avait de mauvaises habitudes avant Ramadan, naturellement, il doit les revoir. Deuxièmement. Troisième chose, c'est de revoir les milieux qu'on fréquente au quotidien. On dit l'homme est le produit de son milieu. Dis-moi avec qui tu marches et moi je te dirai qui tu es. Mm-hmm. Donc il faut revoir le milieu. Mm-hmm. Et en plus de ça, la quatrième chose, c'est les actes qu'on va poser. Mm-hmm. Il faut faire les bonnes actions. Parce que celui qui fait une bonne action après avoir commis un péché, mm-hmm. comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit tamhuha, ça va être cause, Allah va absoudre, n'est-ce pas ? Allah va te pardonner ce péché-là. Merci, mon Donc, chacun d'entre nous devrait mm-hmm. travailler là-dessus en couronnant le tout par des doigts. Un mois de doigts. Il faut adresser les supplications à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah saura nous en récompenser. Amin, inshallah. Merci infiniment, Imam Makankouyati, pour en tout cas ces riches enseignements qu'on a pu bénéficier en tout cas au cours de cette émission. Alors, invité à Safet Kouyati, je crois que l'équipe des chefs. Nous tout attendons. À fait. Nos chefs sont bien là. Chef Natou Fofana et chef Bafa, comment vous allez? Bien, bien. Alhamdoulilah. Nous avons terminé. Oui. Est-ce qu'on peut avoir le visuel du plat? C'est une assiette qui est épurée, qui est bien présentée, avec un plat qui est, on va dire, assez bourratif quand même. Ça a l'air simple, mais c'est bien bourratif, n'est-ce pas, D'accord. chef Bafa? À la façon chef Bafa? Effectivement, à la façon chef Bafa. Comme d'habitude. Alors, dites-nous, chef Bafa, alors, ce plat s'était fait en 20 minutes, c'est ça? Ou c'est plus? Plus. Plus que 20 minutes, hein? Oui, plus que 20 minutes. D'accord. Pratiquement, pratiquement une heure, puisque c'est... Mm-hmm. Il y a la béchamel à faire à part. D'accord. Il y a la crêpe à faire à part. Et la bolognaise à faire. Donc, ça fait pratiquement trois choses différentes mm-hmm. qu'il faut rassembler, faire le montage. Alors, chef Bafa, pourquoi forestière? Forestière, bon, parce que ça, nous avons des champignons dedans. D'accord. Il y a le riz et il y a la viande hachée également. Donc, c'est le produit qui nous vient pratiquement de la forêt. Mm-hmm. Voilà, sans oublier les légumes. Une crêpe qui vient du fin fond de la forêt. Hein, dans ah, oui, moi, j'aime bien les champignons. Là. Ah, bon, quand je vous ai vu faire, j'ai senti qu'il y avait des champignons. Oui. Et là... Vous avez senti l'odeur ou rien qu'au visuel? Bon, rien qu'au visuel. Rien qu'au visuel. Je l'ai dit, j'étais en train de dévorer avec les yeux. Et même, c'est permis, non? Oui. Dévorer un plat avec les yeux. Il n'y a pas de souci. Ça ne fait pas de mal de faire rompre. Avec l'intention de rompre à l'heure de la rupture, bien sûr, à 18h20. Voilà qui est prévu. J'ai une question. Est-ce qu'on a toujours le temps? J'ai une question pour chef Bafa. Alors, chef Bafa, la sauce bolognaise, si j'ai bien entendu, est-ce qu'elle est optionnelle? Parce que j'ai l'habitude de la voir en accompagnement avec les spaghettis. Oui. Donc, est-ce qu'elle est optionnelle ou bien est-ce qu'elle fait partie de cette crêpe forestière-là? Oh, elle est optionnelle. Vous pouvez mélanger partout comme vous voulez. Vous pouvez prendre en bolognaise pour la lasagne, la crêpe, spaghetti bolo et bien d'autres. Ça est-ce dépend de vous. Est-ce qu'elle est optionnelle pour ce plat? Est-ce qu'elle est indispensable? Pour ce plat, on aurait ça pu a été choisir, fait... On aurait pu choisir une autre sauce. Oh non, ça c'est obligatoire. D'accord, c'est adapté à cette crêpe forestière. Oui. D'accord, ça fait partie de la recette complète. Ça fait partie de la recette, c'est l'ingrédient phare même de la recette. Ah, merci beaucoup, chef Bafa, merci infiniment. Ah, c'est très beau, et puis je vois que vous avez découpé, sur les concombres, vous avez découpé en forme de cœur là. Oui, des concombres, comme il y a plus d'eau. Ah oui. Après la rupture, on a besoin plus de légumes. Mm-hmm. Et comme il y a plus d'eau, 99%, du coup, c'est pour ça que j'ai pris comme décor. Vous pouvez déguster. On nous réhydrate. Voilà. J'aime beaucoup la touche professionnelle de chef Bafa qui me rappelle beaucoup chef Maxime. Merci beaucoup. Alors, cette touche également, elle est particulière. Elle est véritablement artistique. Tout à fait. Il a dit hier, la cuisine, c'est de l'art. Effectivement. Et bien sûr, il faut également manger avec de l'art. Tout à fait. Voilà. Je sais que c'est ce que vous ferez tout à l'heure. Manger avec de l'art, n'est-ce manger pas? Manger avec de l'art. Oui. Et rassurez-vous, Imam l'a dit, avec une autodiscipline alimentaire qu'il faut avoir, on pourra également déguster. Est-ce que c'est avec ou sans modération? Avec modération avec quand modération, même, hein, pour pouvoir faire les prières, il ne faudrait pas... Pour le juste milieu, il ne faut pas l'oublier. Pour le juste milieu, il faut diviser le ventre en trois parties. Deux plats ou un plat pour la rupture d'une personne? Un plat.
Un plat, vous avez dit que c'est bourratif. C'est bourratif. Donc il ne faut pas exagérer. Tout à fait. Et on peut manger un plat et après la longue prière tarawih, prendre le deuxième plat, c'est possible? Possible. C'est possible. C'est possible. Vous avez lu dans mes intentions, Nas Fofana? Oui, effectivement. Effectivement, je sais exactement ce que vous voulez. D'accord. Je pense qu'on s'achemine pas à pas vers donc, l'heure de la rupture ici à Abidjan. On devrait rappeler que c'est 18h29 minutes ici à Abidjan. Ici à Abidjan et environ. Et environ. Abidjan, c'est où? Ah, en tout cas, c'est environ. Bah, environ, il faut parler de Bassam, de Benjaminville, et justement de Dabou, en tout cas, le grand Abidjan. Oui, voilà. Et tout le grand Abidjan qui nous suit en ce moment. En tout cas, on souhaite entre un très, très bon mois de jeûne. Et nous sommes 7e jour. Hein. Ouais. On vous souhaite bonne rupture chez vous. Et puis, avec beaucoup de plaisir, on se retrouvera demain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah.